Françoise Laborde démontre une attention soutenue envers sa sœur, Catherine, qui lutte contre la démence à Cordelouis. Face à une série de défis incluant des chutes, des mouvements désordonnés et la fatigue, l'ancienne présentatrice météo de TF1 doit faire preuve d'une grande résilience. Cependant, le 2 juin dernier, c'était Françoise Laborde elle-même qui a dû affronter des problèmes de santé. La journaliste a ainsi partagé une photo d'elle à l'hôpital, avec un pansement sur l'œil. Elle venait en effet de subir une opération visant à retirer une cataracte. Opération réussie. Impatiente de recouvrer une vision complète, a-t-elle partagé. Néanmoins, l'épouse de Jean-Claude n'est pas restée alitée longtemps et a rapidement quitté l'établissement hospitalier. Sur d'autres photographies, elle apparaît avec des lunettes de soleil, que ce soit dans une voiture ou en train de se promener dans la rue. Le mardi 8 août, Françoise Laborde a informé que son mari avait échappé de justesse à la mort et a exprimé sa gratitude envers le docteur responsable de ce sauvetage. Je remercie le professeur Achouche, qui a sauvé Jean-Claude. Il l'a opéré en urgence le 14 juillet dernier d'un triple pontage coronarien à l'hôpital Georges Pompidou, a-t-elle partagé. Comme vous pouvez le constater, Jean-Claude récupère de manière remarquable, a-t-elle ajouté. En effet, à travers plusieurs clichés, on peut observer l'amélioration de l'état de santé de l'époux de Françoise Laborde. Initialement intubé dans son lit d'hôpital, nous le retrouvons ensuite arborant un sourire dans son lit chez lui, ainsi qu'à la terrasse du café parisien où il a l'habitude de se rendre. Je tiens à exprimer une nouvelle fois ma gratitude envers le docteur Paul Achouche, qui a décidé de sacrifier ses congés pour effectuer en urgence l'opération de Jean-Claude. Nous sommes incroyablement chanceux, a souligné la journaliste, avant d'aborder l'état actuel de santé de son bien-aimé, Jean-Claude se rétablit progressivement. Il est encore en phase de convalescence. Il devra demeurer quelques jours supplémentaires à l'hôpital Corentin Celton, mais il est autorisé à sortir durant les week-ends pour revenir à la maison. Le plus difficile est derrière nous.